Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce bel automne. On recommence à se geler ici. En tout cas, j'espère que vous avez du soleil et que vous gardez le moral en cette période de vraiment de chaos, de montagne russe. Et vraiment, je dois dire qu'il faut avoir le moral bien accroché. Je vous rappelle d'ailleurs que le chapelet, c'est une aide formidable. Ça apporte une paix intérieure et beaucoup... beaucoup d'aide justement pour résister actuellement. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur Donald parce que, étant donné que il a quand même eu chaud aux plumes, hein, si je puis dire, il a quand même eu chaud aux plumes, eh bien, il semblerait vraiment, vraiment que les démocrates ou les mondialistes veulent se débarrasser de lui. Donc, c'est qu'il a son importance. Après, les gens ou les théories qui disent que tout ça, c'était en fait mise en scène de la part de Donald, je n'y crois pas. C'est pas cohérent. Non, franchement, je n'y crois pas. Bon, mais ce qu'on va faire, on va partir du principe qu'il est élu. Alors, je tiens quand même à vous dire que les aspects astrologiques sont drôlement ardus sur l'automne. Donc, à mon avis, il va quand même falloir s'attendre à beaucoup d'agression et d'agressivité. Hein? Bon. Mais on va partir du principe. Que ferait-il, donc au conditionnel, si Donald était élu? Qu'est-ce que ça changerait? Alors, pour l'Amérique, mais évidemment aussi pour nous, pour le monde. Donc, je prends quelques instants pour me concentrer. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. Vous voyez, j'étais en train de mélanger tout de suite. La paix. Bon, on va la prendre quand même parce qu'elle vient de se renverser. Donc, je pense que c'est déjà une réponse à la question. Non, vous voulez pas qu'on la prenne. Bon, on la remet dans le tas. Mais enfin, c'est quand même assez intéressant que ce soit la carte de la paix avec le drapeau blanc et l'ange. Hein. C'était la carte pour la paix que j'avais faite. Quand j'ai voulu faire une carte à ce sujet, j'ai donc pris un ange dans le ciel avec un drapeau blanc. Mais on va reposer la question. Que ferait Donald s'il était élu? Alors. Bon. Moi, j'ai des aspects de destruction. Donc, ça veut dire, par rapport à ma question, que là, c'est plutôt une indication du temps, puisque ce sera vers novembre. Entre novembre et janvier, entre le moment où il y a les élections et le moment où il y a vraiment, on va dire, c'est quoi? C'est l'intronisation, je sais plus comment on dit, l'accès au pouvoir officiel de Donald, on va dire de Donald, qui entrerait prendre ses fonctions officiellement à la mise en blanche. Donc ce serait entre novembre et janvier, et j'ai ces aspects-là, moi. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, ce sera une période dans laquelle on verra une tornade arriver. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas encore trop de soucis. N'empêche que la tornade sera en vue et il y aura un gros risque de destruction. Je vous dis qu'il va y avoir sur l'automne des événements vraiment très importants. Bon, ça me situe un peu le temps. Ça me donne pas la réponse. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, à cette période-là, eh bien, ça va chauffer. OK? Bon, alors, je vais essayer vraiment de prendre une espèce de ligne de temps, comme on dit. Que ferait Donald s'il était élu? Allez, mon petit jeu, puis après, je prends le Divine Actu, hein, parce qu'il y a aussi des cartes qui sont pas mal. Que ferait Donald s'il était élu? Tiens, on va prendre son nom. Il m'en manque encore une. Voilà, j'ai dit son nom, j'ai pas dit son prénom. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu? Alors là, j'ai pas vraiment ce qu'il ferait, mais on va recourir. Parce que j'ai quand même des cartes qui sont fortes. J'ai la carte du vandalisme, j'ai la carte du satanisme, j'ai la carte de tout ce qui est corruption, prostitution, trafic en tout genre, notamment les trafics SEX, et là j'ai un homme. Et là j'ai un souhait qui va se réaliser. Alors, est-ce que ça veut dire que Trump... Pardon, que Donald s'attaquerait à ça? Je me demande, on va demander. Est-ce que
Parce que j'ai quand même les satanistes qui sont au milieu, moi. Hein. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il s'attaquerait à justement la mise à sac, pourquoi pas, du monde, hein, par les mondialistes qui sont au milieu? Oui. Ah oui, bah écoutez, oui, hein, oui, oui. Ouh là là. Oh là 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 là. Alors là, les cartes, bonjour. Bon. Alors, je vous dis, j'ai pas de carte spécifique pour Donald. On peut considérer qu'il est là. Bon. Il aurait pu sortir aussi en vieux monsieur. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait des bonnes idées. Ça, c'est l'idée qui fonctionne. C'est une idée qui est porteuse de croissance ou de renouveau. Ici, il y aurait un peu les histoires de spiritualité. Alors, ça n'a rien à voir avec cette carte-là. C'est carrément même l'opposé. Ici, c'est la disparition, la fin. La fin des satas. Ça, c'est la carte de disparition. Ici, j'ai le pacte avec le diable. Par rapport au vandalisme, au pillage. Et ici, j'ai un feu vert. Alors, attendez. J'essaie de me poser par rapport à mon jeu. Donc, il aurait des bonnes idées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il chercherait un peu à se relier à la spiritualité pour justement combattre ce que je vois ici dans ces cinq cartes? Les mondialistes ou les sataniques, ici, vous avez encore le pacte avec le diable. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, ils veulent continuer à faire leur trafic, vous avez vu, ici, et à mettre à sac, eh bien, à tout détruire. Ça, c'est quand même, on pille. On détruit, on pille. Mais là, j'ai la disparition. Alors, on va peut-être poser des questions. En tout cas, j'ai l'impression que là, pour l'instant, si on considère que Donald, il est sorti ici, il a un petit peu ces choses-là en tête. Et vous avez ici les satas machins qui sont sortis au milieu. Alors, Donald, qu'est-ce que tu voudrais faire? Bon, ben là, c'est Donald. Il est vraiment, vraiment en route pour prendre le pouvoir. Oui, vous voyez, il reprendrait les rênes en main et il essaierait de reprendre le contrôle. Absolument. Ouais, ben là, on est parti sur les histoires de petites filles. Hein. De petites filles, de petits garçons, je pense. On va redemander. Là, c'est on reprend le contrôle de la situation. On va demander pourquoi j'ai une petite fille. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie, cette petite fille? Attendez. La sérénité, oui. Les trafics, la criminalité. Bon, moi, je pense que c'est en fait, c'est à mettre en relation avec cette carte-là. C'est la criminalité, les trafics, mais c'est par rapport aux petits-enfants. J'aurais pu sortir le petit garçon aussi, je pense. Alors, là, on nous dit qu'il a un as dans la manche. Donc, apparemment, bon, il aurait des bonnes idées avec un as dans la manche. Il est bien en route pour l'accession au pouvoir. Et ici, eh bien, il aurait vraiment pour but de provoquer la disparition. Vous voyez, ils sont sortis tout de suite, hein, avec leurs oreilles pointues, là. Et de reprendre le contrôle sur ces gens-là, donc de les faire disparaître. Également, de ramener une certaine paix ou une certaine sérénité par rapport au trafic en tout genre, je pense que ce sont les enfants. J'ai sorti une petite fille, on va dire les enfants en général. Donc de s'attaquer à tous les trafics de gosses. D'accord. Bon. Alors, par rapport à l'Europe. C'est quand même intéressant que ces deux cartes-là soient sorties. Attendez, je vais pousser celle-ci. Ou par rapport à la guerre, à l'Ukraine. Ou la Rue, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il aurait... qu'est-ce qu'il voudrait faire? Qu'est-ce qu'il aurait en projet, quoi, de faire? Alors là, il y a un retour de bâton, un retour de boomerang. Par rapport peut-être aux gens qui ont tout pillé. Attendez, j'ai regardé ce que c'est. Donc ça, c'est l'élite. Il y a le retour de bâton quand même. Hein. Mais par rapport à Lucre, j'ai pas sorti. Non. Est-ce qu'il va s'occuper du problème avec la Russie,
ou pas? Alors, il y a autre chose qui est sortie là. Bon, c'est le manque, les cartons vides, oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi des choses qu'on a dans les cartons et qu'on va chercher dans les cartons. Le retour de bâton par rapport aux gens dans les élites, les gens très riches qui ont des choses à cacher, notamment des mensonges. Qui ont des mensonges, qui ont des mensonges et qui en plus ont tendance à mettre de l'huile sur le feu. Il y a quelque chose dans les cartons. Qu'est-ce qu'il irait chercher? Bon, on va enlever la carte là de. Ah ben là aussi, là aussi, il y a des choses à enterrer. Bon, ça peut être une idéologie, mais c'est marrant parce que j'ai les gens très riches qui sont dans le collimateur là. Et il y a un retour de bâton par rapport aux gens justement qui veulent toujours, voyez, envenimer les situations en allumant une guerre ici et une guerre là. C'est ça en fait, hein, voyez. Ça c'est une situation explosive, mais on le fait exprès. Mais je vous dis, il y a un retour de bâton. Donc ça veut dire qu'ils régleraient leur compte au Satan machin, là, mais également aux élites riches et célèbres, hein, famous, qui propagent des mensonges et qui font, en fait, qui allument des feux un peu partout. Là, il y a la notion de vouloir les enterrer. Alors, pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartons, je n'ai pas sorti l'info. Bon, il veut les faire tomber de leur piédestal. Alors, il n'y a pas que eux, hein. Vous savez, là, j'étais en train de penser à la fameuse île de Hep, de Monsieur Hep, vous savez. Plus loin, c'est Stein. Où là, il y aurait des choses qui ressortiraient des cartons. Moi, je pense que c'est ça, des choses qui vont aller sortir des cartons. Et pour faire dégager ces gens-là et leur idéologie. Bon, ok. Maintenant, on va demander au Divine Actu. D'accord? Donc en fait, il y aurait règlement de compte. En fait, il y a des règlements de compte avec les mondialistes principalement. C'est vraiment ça. Et tout ce qui concerne les enfants. Alors, j'ai pas la carte des pédalos qui est sortie, mais enfin bon, on avait quand même la carte de la criminalité. Maintenant, on va demander au Divine Actu. Je n'ai pas sorti non plus les histoires de guerre. Puis après, on regardera s'il n'était pas élu, évidemment. Donc, que ferait Trump? Mais apparemment, il commencerait tout de suite par les mondialistes. Hein. Oui. Il réglerait ses comptes, en fait. Alors, que ferait Donald si il arrivait au pouvoir? Hein, on joue le jeu de et si. Alors, j'ai une erreur. Erreur par rapport à une union maléfique. Il y a ici chantage, corruption, royauté. Je dis qu'il, à mon avis, commencerait tout de suite par régler ses comptes. Alors, union maléfique est une erreur, hein. Cherchez l'erreur, comme on dit. Bon, il y a deux personnages, à mon avis, qui en prendraient pour leur grade, je pense. Vous avez compris, hein. Ouais, il commencerait déjà par libérer des vérités, apparemment, hein. Un peu sur tout le monde, hein. Je dis qu'il a des dossiers. Bon, ok. Alors, que ferait Donald, alors, au conditionnel, si il était de nouveau élu président? Pareil, on va mettre 5 cartes et on va regarder. Mais on a déjà des pistes, hein. Alors, invention. C'est marrant cette carte-là. Alors, voisinage, je ne sais pas trop. Perdu, abandonné. Oui. Le poison et là, le chaos. Bon, alors des cartes que je n'avais jamais sorties jusqu'à présent. Enfin, très peu en tout cas. Voisinage, je ne sais pas non plus ce que ça vient faire. Il y a les enfants, la petite fille qui ressort, là, ce qui est assez étonnant. Le poison et le chaos. Ah tiens. Tiens, par contre, là, vous voyez, j'ai Lucre qui sort. C'est amusant quand même, hein. Ok, on va remettre une carte tout de suite. Qu'est-ce qu'il ferait par rapport à Zélie? Sécurité sociale. Je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous ferait là? Les lois. Alors, il y a des questions de loi. Je ne sais pas pourquoi j'ai la question de médicaments. Alors, si on prend sécurité, peut-être, pourquoi pas, vital. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un peu de la carte et regarder s'il n'y aurait pas sécurité vitale pour Ucre, pour Zélie, par exemple? On ira regarder après. Alors, on va continuer. Ah, tiens, 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 tiens. Tiens, j'ai des prophéties qui sont sorties.
Oui, bah alors là, par contre, ça va très bien ensemble. Hein. Regardez, j'ai enfance volée et les enfants perdus. Bon, les enfants, apparemment, c'est un autre. C'était sorti dans mes cartes aussi. C'est un autre domaine dans lequel Donald voudrait changer des choses. Hein. On l'a vu, hein, la petite fille. Hein. La petite fille, les trafics. L'énergie. Oui, et là, qu'est-ce qu'on a sur le chaos? Le faux drapeau. Bon. Moi, je ne demande pas ce qui pourrait arriver. Je demande qu'est-ce qu'il ferait s'il était au pouvoir. Alors, c'est vrai que c'est un tirage qui est assez, on va dire, ambitieux. Donc, faut que je m'essaie de me connecter, comme je dis, enfin, de penser à lui, quoi. Savoir ce qu'il a dans la tête. Qu'est-ce qu'il ferait par rapport à Zélie? La foudre. Bon, d'accord. Donc, les histoires de sécurité vitale, c'était pas si mal que ça. Parce que c'est pas la carte de sécurité sociale, ça, j'y crois pas du tout. Par contre, sécurité vitale, oui. Des choses compliquées pour Zélie, parce qu'il aurait la foudre qui lui tomberait dessus. Il aurait la foudre qui lui tomberait dessus. Et il faudrait effectivement qu'il assure sa sécurité. Ce serait vital. D'accord? Bon, moi j'interprète mes cartes comme ça. Alors pourquoi j'ai invention? Il faudrait qu'il trouve peut-être il trouve quelque chose pour le dégager. Le réveil. Ah ouais, donc il va encore. Ah d'accord. À mon avis, il y aura des révélations sur Zélie aussi. Alors, des choses qui ont été inventées, peut-être. Et l'autre, à mon avis, il va avoir la foudre qui va lui tomber dessus. Bon, d'accord. Là, des choses intéressantes. OK. Bon, pour l'instant, ça ne me parle pas de paix. Hein. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai des histoires de prophéties dans le voisinage. La joie. Bon, OK. On va dire qu'il y a une joie. On va laisser un peu de côté. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux pauvres enfants, là? La République. Oui. Le demi-tour. Bon. Donc ça veut dire en fait, moi la République, c'est marrant parce que je verrais plutôt évidemment la France ou l'Europe. Hein. Demi-tour par rapport aux choses horribles qui sont en train de se passer par rapport aux enfants. Donc demi-tour, c'est aussi faire demi-tour. Hein. Donc il s'attaquerait aussi à tout ce qui est trafic d'enfants, je pense. OK. Alors qu'est-ce qu'on a par rapport au poison? Tiens, là j'ai l'ours qui sort. Tiens, j'ai l'Arabie Saoudite. Ah, il va me sortir des pays maintenant. Ça fait penser au BRICS quand même, hein. Aliénation. Ouais, donc ça voudrait dire que, bon, là, aliénation, on n'arrive pas à communiquer, hein. On coupe toute communication. Attendez, dans les BRICS, il y a. Je crois qu'il n'y a pas la. Je crois qu'il y a certains États d'Arabie aussi, me semble, hein. Je vais vérifier, mais en tout cas, je pense qu'il a, il essaierait de se rapprocher. Ça fait penser quand même à deux conflits, là. Hein. Plus ou moins, attendez, je sais pas, je dis des bêtises. Il y a le conflit avec l'Ukraine, ça c'est sûr. Donc ça, c'est l'ours qui est impliqué. Mais l'Arabie Saoudite. Alors, c'est pas Israël, hein, mais. Fuir. Oui. Bon, le diable, ça, évidemment. Évidemment, on les avait sortis tout à l'heure. Le pan. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de me dire. On va laisser ces cartes-là de côté, parce que je ne sais pas ce qu'elles veulent me dire. Par contre, je pense qu'il a essayé de reprendre un contact avec un peu les pays qu'on a mis de côté. Bon. On posera la question après, par rapport, à la paix. Ici, alors on a quelque chose par rapport au poison. Tiens, tiens, j'ai le drapeau français ici. Il y aurait aussi, à mon avis, des choses par rapport au poison qui concernent l'administration. Bon, ok. Et la pauvreté. Bon, j'ai rien d'autre là. Hein. Bon. Ok, là, il me parle moins, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai Zélie qui est sortie très rapidement. Et là, il y aurait la foudre qui lui tomberait dessus. Avec les divines actus, il sort beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, on réglerait son compte à Zélie, on réglerait son compte au mondialiste et on s'attaquerait au trafic des enfants. C'est surtout ça que j'ai. Bon. Alors, ben, par rapport au conflit, c'est pas sorti. Donc, on va demander, on va poser la question. Est-ce que il négocierait la paix.
Parce que les autres, là, ils veulent aller vraiment jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la guerre. Hein. Est-ce que Donald négocierait la paix? On va demander plutôt qu'est-ce qu'il ferait concernant le conflit, les conflits. On va prendre déjà celui de l'Ukraine. Alors, entreprise de sagesse. Bon. Entreprise de sagesse, c'est qu'il entreprendrait quelque chose avec sagesse. Bon, déjà, la coupe, elle est bien. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous ferait par rapport au conflit qui nous enquiquine depuis plus de 2 ans et qui a ruiné l'Europe, entre autres? La famille, l'amour, le feu. Bon, ça, c'est le conflit et le départ. Alors, j'ai pas demandé qu'est-ce qui va arriver, j'ai demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il était au pouvoir. La grâce. Bon, je crois qu'en fait, il interviendrait pour, justement, pour éviter que l'oiseau ne se fracasse, voyez, pour éviter la catastrophe. Là, la grâce de Dieu. Donc, ça évite que l'oiseau ne s'écrase. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les troupes quitteraient le pays de Lucre, donc le départ des troupes, on est quand même famille et amour, et que certaines régions de Lucre reviennent dans la famille Ruru. Parce que je suis quand même deux cœurs dans un foyer, donc ça fait quand même penser à une réunion, hein. Bon, moi, je n'épilogue pas sur le fait si cette guerre, elle est bien ou pas. De toute façon, la guerre, c'est moche, hein. Ça, on est d'accord. Il y a eu 1,5 million de jeunes Ukrains qui ont perdu la vie. On va pas épiloguer sur la guerre. Donc, je parle pas de si c'est bien ou si c'est pas bien. Est-ce qu'il a raison de faire ce qu'il a fait? C'est pas le propos. Je dis juste que ici, apparemment, il y aurait départ des troupes concernant ça. C'est vraiment la guerre. On a deux camps qui s'affrontent et éventuellement, eh bien, l'arrêt des hostilités avant que ça ne dégénère. Et là, famille et amour, bah, moi, je vois une réunification de famille, quoi. Donc, les gens qui en Ukraine qui reviendraient vers la Ruru, quoi. Alors là, pourquoi j'ai une femme, je ne sais pas. Héritage et fatalité. Bon, il y aura aussi stopper à tout prix l'action d'une femme. Alors, ça peut être Ursula, hein, si elle est encore là. On ne sait pas. Il faut attendre demain si elle va être réélue ou pas. En tout cas, ici, c'est stopper ce qu'a fait une femme depuis déjà plusieurs années. Ben, on sait que c'est elle aussi qui est derrière le soutien à Zélie, etc. Bon. Donc, pour moi, oui, la grâce. Il demanderait aussi stop, demander grâce. Quand on demande grâce, c'est qu'on demande aussi l'arrêt de quelque chose. Hein. Donc pour moi, il interviendrait définitivement dans l'histoire d'Ukraine. Oui, je pense. Ouais, regardez, j'ai beauté, renommée, j'ai que des belles cartes. Et changement. Donc oui. Là, la beauté, c'est aussi les valeurs morales. La renommée, bon bah, c'est aussi de se servir de sa renommée, évidemment. Donc ça voudrait dire qu'il irait parler le langage de la raison, des valeurs morales, de la sincérité. C'est que des belles choses ici. Il se servirait de sa renommée pour provoquer un changement évidemment positif. Donc oui, certainement que il arrêterait le conflit entre Lucre et la Ruru. Oui, je pense vraiment. Bon, arrêter les pertes, hein, voyez. Là, il irait vraiment faire des discussions, peut-être en terrain neutre d'ailleurs. Parce que là, les choses ne vont plus, quoi. Voilà, c'est bien les méchancetés et tout et tout. Ouais, il pensait à amitié. Donc, il irait vraiment arrêter les pertes, hein, les agressions, les pertes. Et il irait, en fait, en terrain, on va dire, neutre, discuter avec amitié, oui. Définitivement, oui. Bon. Bon, ben, OK. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas élu. Alors, on ne va pas discuter éventuellement du risque qu'il se fasse de nouveau, vous avez compris, hein, de nouveau, voilà, tire au canard, la chasse au canard est ouverte, hein, comme j'ai dit.
Je ne le vois pas perdre. Hein. Je vous avais dit, il risque d'être empêché. Et c'était avant que l'attentat n'ait lieu. Et je pense qu'ils vont remettre ça sur le tapis. Mais on ne va pas épiloguer là-dessus. Hein. Je vous ai dit que les aspects sur la rentrée vont être très, très houleux. Non, là, je regarde simplement « et si ». Et s'il gagnait, qu'est-ce qu'il ferait? Et s'il ne gagnait pas? Alors, là, on va l'explorer. S'il ne gagnait pas, ou alors s'il était empêché, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, on va reprendre mon jeu. Donc, qu'est-ce qui se passerait si, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il n'était pas élu? Donc, qu'est-ce qui se passerait si, voilà, s'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait au pouvoir? Alors, la connerie humaine, oui, qui continuerait, apparemment, et la joie. Bon, bah alors, ça veut dire que là, là, je vais vous dire très, très crûment, mais les idiots seraient contents. C'est vraiment ça, hein? Les gens qui sont cons seraient contents. Bah, c'est ça. Moi, je suis désolée, j'interprète mes cartes. Hein. Voilà. Parce que, comme je viens de le voir, qu'on l'aime ou pas, il aurait un impact certain sur la paix en Europe. Et à moins d'être complètement con, on est tous d'accord pour vouloir la paix. Hein. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer mes gosses à la guerre. Et vous, vos enfants, vos petits-enfants non plus, je pense. Hein, vous n'avez pas envie. Et ben voilà, il n'y a que les débiles qui sont pour. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Et on reprendra le Divine Actu après. Je dirais le mélanger pendant la pause, petite pause. Qu'est-ce qui se passerait si il n'arrivait pas au pouvoir? Donc là, il faut que j'imagine quelqu'un d'autre. Ok. On va pas penser à Joe parce qu'à mon avis, lui, il tiendra pas jusque-là, mais peut-être quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un d'autre arrivait au pouvoir, voilà. Qu'est-ce qui se passerait? Alors là, il y a une situation d'urgence. Alors là, on a la fameuse comète qui ressort tout le temps, tout le temps. Je regarde si elle est dans le bon sens, parce qu'on aurait pu la mettre dans ce sens-là aussi, vous voyez. Bref. Mais là, elle descend quand même. Elle descend vers la Terre. Hein. Donc, le sens est correct. Là, attention, parce que ça voudrait dire qu'on aurait loupé le train. On sera en retard par rapport à quelque chose. Situation d'urgence, voilà, on sera en retard. Et là, la comète, c'est un avertissement. Bon, c'est vrai qu'elle est, elle est là, alors, la comète, hein, c'est vrai. Mais là, ça voudrait dire peut-être que les avertissements de la comète se réaliseraient. On va regarder. Donc, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un d'autre arrivait au pouvoir? Ok. Ouais. Ah, j'ai quand même la paix, hein. Mais voyez, ça voudrait dire aussi, ben justement, qu'on louperait la paix. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le train, là, on louperait quelque chose, on aurait loupé le train. Donc, on aurait loupé le train pour la paix. C'est exactement ça. Et c'est sorti au milieu. Ben là, le feu. Là, on commencerait à comprendre. Ça, on commencerait, là, le gars, il a mis ses lunettes, donc il voit la réalité. On commencerait à comprendre que là, on va effectivement vers des choses de cet ordre-là, donc guerrière, et qu'il faudrait surfer sur la vague. Bon, alors, qu'est-ce qu'on aurait ici? Ben, je pense que là, ça peut être les artistes qui diraient que qui seraient contents. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas toute une propagande de la part des artistes. On va regarder ici. Bon, alors là, ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui seraient, alors, d'autres personnes que Donald, hein, on est d'accord. Hein, donc, des gens, nouveau gouvernement, qui seraient donc à la manœuvre, qui seraient en train d'organiser quelque chose, mais qui seraient dans le déni. Le déni de quoi? On va les regarder. Ouais. Je pense que c'est des artistes, mais on va regarder quand même. Ouais. Ah, c'est... Je pense que, oui, je pense que c'est les artistes qui seraient contents. C'est un peu curieux, ces cartes-là. Là, je vois pas trop, je dois dire. Attendez, je vais aller mettre une autre carte dessus. Ça me parle d'art ou de créativité. On trouve quelque chose. C'est très instable. Il y a les histoires de secret ou de calme. Mais c'est de la triche. Je vais remettre des cartes de Divine Actu. Attendez. Maintenant, je vais les mélanger devant vous. Hein. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, ici et là, on a, vous voyez, la paix
que l'on aurait loupé. Donc on aurait loupé le train pour la paix. Et là, eh ben, on commencerait vraiment à comprendre qu'on va vers le feu. Bon, bah, le feu, c'est la guerre, hein, c'est évident. Et voyez, là, il faudrait surfer sur la vague. Vous savez ce que c'est, surfer sur la vague, hein? C'est essayer de se maintenir en équilibre face à une vague énorme. Ok. Attendez, je vais bien prendre tout le paquet, parce que sinon, je vais me louper, il va me manquer des cartes. Je vais pousser le mien, hop. Alors, je sais pas si j'ai toutes les cartes, d'ailleurs. Alors. On va les tirer comme ça parce que ce ne sont pas faciles à prendre dans les mains. Alors, il y aura un déni par rapport à quoi là? Ubérisation. Alors, ubérisation, c'est tous les gens qui viennent et qui travaillent à moindre coût. Bon, donc ça voudrait dire que si Donald ne gagnait pas, eh bien, au niveau de l'Europe, je pense qu'on continuerait à faire venir une certaine population. C'est ce qu'il me dit, hein. Tiens, j'ai Elon qui sort. Alors, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Tic-tac. Ah, c'est amusant, ça. Bon, alors, Elon et Tic-tac, on va les laisser de côté. Je sais pas ce qu'ils vont nous dire. Au niveau de la paix, attendez. La paix, on a loupé le train. Ah ben voilà, regardez, j'ai encore le train là. Ça, c'est amusant quand même, hein. C'est trop drôle. Donc on aurait bien loupé un train, oui, par rapport à la paix. Bon, ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Là, j'ai pas compris, je dois dire. Bon, bah d'accord. Le bombe nucléaire. Ah bah carrément, les amis. Ah bah, tant qu'à faire, voilà, quoi. Bon, alors là. Alors, évidemment, cette carte-là, ça peut aussi se comprendre comme étant la création de quelque chose. Alors, ce serait en fait, oui, je crois que c'est ça en fait. Ça voudrait dire que si Donald ne gagnait pas, eh bien, le camp adverse, donc les mondialistes, aurait trouvé le moyen de créer quelque chose par la triche, une situation instable qui serait secrète pour provoquer, voilà, ceci. Moi, je crois que c'est ça en fait. En tout cas, si vous avez d'autres idées pour interpréter ça, dites-le moi, mais je pense que c'est ça en fait. Ils auraient trouvé. Voilà, une solution, la solution créatrice par la triche pour faire dégringoler une situation instable par le biais de quelque chose qui est encore caché au secret pour déclencher ceci. Clair et net. Bon, peut-être d'ailleurs que ce sera Elon qui avertira au niveau du tic-tac. Bon. Donc, en d'autres termes, si Donald ne gagne pas ou était empêché, j'insiste, eh bien, le feu ici et la bombe ici. Moi, j'ai sorti, hein, voilà, je l'ai fait devant vous comme d'habitude, hein. Vous connaissez la maison, comme dirait Rémi. Et ce sera à cause de qui? Des reptiliens. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur le feu, là? Les agressions, ça aussi, ça continuerait, évidemment. Et avec toujours leur fameux cinéma. Ouais. Donc ça veut dire que si Donald n'arrivait pas au pouvoir, on aurait ceci. Alors, c'est peut-être pas le nucléaire, hein, bon. Mais bombe, oui, sûrement. Il y aura un truc, hein. Je me dépêche, je vais pas faire la vidéo trop longue. Attends, je vais mettre les cartes comme ça, faire en sorte que vous puissiez les voir. Ah, ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, si bien que j'ai tiré la carte. Parce que ça fait depuis, oh, ça doit faire un an, allez, le temps passe tellement vite, que je vous dis que c'est eux, ce sont eux qui vont prendre la gouvernance mondiale. Moi, j'en suis persuadée. Et le fait qu'ils soient sortis signifie que si Donald n'était pas réélu ou s'il était empêché d'arriver au pouvoir, eh bien, ces pays-là interviendraient. Bon, alors là, il y a une femme mature, je ne sais pas qui c'est. Avec Zélie. Qu'est-ce qu'ils viendraient faire là, tous les deux? Stop. Bon, apparemment, d'une façon ou d'une autre, que Donald gagne ou pas, il y aurait quand même la fin du conflit ici, hein. Il y aura un stop. Bah, ça me paraît évident, parce que s'il y a une bombe ou un truc comme ça qui explose, là, on remettra tout à zéro. Alors, qu'est-ce que eux viendraient faire dans cette histoire? De quelle façon est-ce qu'ils interviendraient?
Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai grève manifestation. Bah, ce serait le véritable bordel. Pardon, mais c'est ça. L'arrivée des BRICS. Ouais, donc ce serait le gros bazar. Hein. Le gros, gros, gros bazar avec les grèves, les manifestations, etc. Et en plus, l'arrivée... Une fusion. Ah oui, c'est amusant ça. L'arrivée d'une fusion... de quoi? Bon, alors le pan. Aucune idée. Ah, ça m'énerve parfois d'avoir des cartes comme ça. Le peuple. Donc, ça veut dire que quelque part, il reprendrait la main sur l'Europe. Il reprendrait, pareil, au conditionnel, hein. Il reprendrait le contrôle sur l'Europe avec une espèce de fusion. Mais attention, parce que le pan me dit quand même que ce serait des apparences, mais les gens seraient contents. Les gens seraient contents. N'oubliez pas que dans les BRICS, c'est aussi la rue-rue. Hein. Les gens seraient contents. Alors, oui, sauf que moi, je me méfie beaucoup. Bon, ben voilà, regardez, j'ai les militaires. Bon, je vous montre. Hein. Donc, si Donald n'était pas élu, eh bien, il y aurait, ben, vous avez vu, hein, un conflit avec l'explosion et les BRICS qui reviendraient ensuite derrière tout ça. Alors, fusionner, moi, je pense qu'il prendrait le contrôle de l'Europe, hein, apparemment. Alors, les gens seraient contents, mais ils ne devraient pas se réjouir parce que moi, j'ai ça, les militaires. Donc, ça nous imposerait, quelque part, peut-être une armée d'Europe. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Très en forme, le dit une actu. Carrément, l'apocalypse. Bah, d'accord. Ouais, très, très en forme. Hein. En tout cas, l'apocalypse, peut-être pas, parce que l'apocalypse, c'est pas ça. Mais là, pouf, 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 pouf. Pouf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça veut dire aussi que les criminels, donc tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont mis la France à sac, eux, par contre, je pense qu'ils partiraient, vous voyez, ils iraient vers les oasis, donc vers les îles, comme nous, et que nous, il faudrait qu'on se remette au travail. C'est-à-dire que vous avez Bruno Lunaire qui est parti en Suisse, hein, et je pense qu'il n'est pas parti les poches vides, hein, non. Vous voyez, c'est intéressant ça, hein. Bon, voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je vous dis pas que c'est ça qui arrivera, mais j'ai deux scénarios. Je vois que deux scénarios possibles, moi. Soit Donald a le pouvoir, soit il l'a pas. Là, je vois pas d'alternative. Et s'il l'a, bah, on a vu ce que ça donnerait. Et s'il l'a pas, on a vu aussi ce que ça donnerait. Voilà. Alors, pour l'instant, je vous dis pas ce qui va arriver parce que... mais je peux vous dire quand même, parce que j'en sais rien, mais je peux vous dire quand même que je te vois... pas grand chose de bon pour le futur. Alors, partez pas. Ça, c'est ce que moi je vois, c'est ce que mes planètes me disent. Après, ça peut simplement dire qu'on va avoir 10 années de galère, hein. Mais quand même, j'ai quand même des histoires de surveillance qui arrivent, moi, d'accord? Bon. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Vous priez, vous faites le petit chapelet, et tout ira bien. J'insiste, tout ira bien. D'accord? Je compte sur vous. Voilà. Donc, je vais poster cette vidéo-là. J'avoue que j'étais étonnée de la façon dont elle est sortie. Et puis, bon, on verra bien. Et je vous dis au revoir.